Un motard vient de percuter un deux roues en stationnement. Il est inconscient. Les plots, je veux des plots. Il y a urgence. La policière veut savoir qui a causé l'accident. Est-ce qu'il y a des témoins? Oui. Expliquez-moi, la personne est tombée. Tout seul, hein. Il est rentré, en fait, il m'a doublé. Il a fait un virage à droite et il est rentré dans le scooter qui est là. C'est un scooter qui est là. D'accord, donc il a percuté tout seul. Tout seul le scooter et après il est rentré dans cette voiture en fait. Enfin, il a percuté le scooter, il a sauté. Il est passé par-dessus et il est rentré dans la voiture blanche. L'homme est inanimé depuis de longues minutes. Il a de multiples fractures. Son pronostic vital est engagé. Non, je suis arrivé, il était à terre comme ça. Ton collier il est prêt, on met à plat l'eau. Une taille à peu près, on va découper carrément les vêtements. Le blessé va être pris en charge par les pompiers. Selon Patricia, la cause de l'accident ne fait aucun doute. Mais il devait rouler vite parce que là, le jeune, il est quand même dans un sale état malheureusement. La vitesse excessive, une des infractions que traque Patricia. Mais il y a une autre cause à cet accident. Le jeune homme, ivre et sous l'emprise de la drogue, faisait la course avec un deuxième motard qui l'a heurté. Heureusement, il sortira de l'hôpital quelques jours plus tard, sans séquelles irréversibles. Ouais, on va découper le pantalon.